C'est quoi votre métier déjà? Chef magasinier. Il faut avoir de la force. Ce n'est pas désagréable, un homme fort. Oui, on peut compter sur lui. Pourquoi faire? Porter des choses lourdes. C'est tout? Bah. Vous n'avez pas inventé la poudre? Qu'est-il? Il faut vous mettre les points sur les i. Vous n'avez pas d'amis? Non. J'attends que ça se présente. C'est d'ailleurs ce que je lui expliquais avant que vous arriviez. Le docteur a dit qu'il n'y voyait aucun inconvénient. À propos, espièglerie, j'ai fait comme si je savais, mais j'ai regardé dans le dictionnaire. J'ai compris maintenant. Des coquineries, mais c'est peut-être pas non plus permis dans un cimetière. Je vais vous le dire, votre mari, il la soulèvera pas cette pierre. Même moi, j'y arriverai pas. Tous les deux, on est libre de faire ce qu'on veut. Hein? Vous êtes touchant, mais pour le pique-nique, il ne faudra pas y compter. J'ai horreur des petites bêtes. Parce que j'imagine que vous n'êtes libre que le week-end. La semaine, c'est boulot dodo. Si elle nous voit, elle va en faire une tête. Après tout, elle s'est pas gênée, hein. Et votre demi-pension, il faisait rien, vous m'avez dit. Rien de rien. Au moment où il est tombé de sa chaise, je pensais à le quitter, donc... tout est pour le mieux. C'est quoi votre métier? Enseignante. Logopédiste. Hein? J'apprends à parler à ceux qui ont des difficultés d'élocution. Ouais, je me disais bien, vous dites toujours des mots que je comprends pas. Il ne s'agit pas de mots, mais de prononciation. Eh bien, faudra m'apprendre. Ça, non, surtout pas. Vous ne savez pas comme vous êtes reposant avec vos pattes à caisse. Nous ferons autre chose. Lui, il savait parler. Un vrai gramophone. J'en ai les oreilles qui bourdonnent encore. Et moi, comment me trouvez-vous? Vous êtes jolie. C'est tout. Ouais. Prenez-moi dans vos bras. Ici? C'est défendu? Non, mais... Je vous guérirai de vos craintes. Allez vider votre seau. Je vous attends à la sortie. Vous ne me ferez pas faux bond cette fois, promis. Oui, tout de suite. Mon ours mal dégrossi. Avec vous, j'ai peut-être des raisons d'espérer.